Vivre la plus grande soirée de tous les temps. Et sans doute la plus grande de toute ta vie. Je suis heureuse pour toi. Tu n'es pas inquiète? Moi je ne le suis pas. Sauf si tu es inquiète, alors je serai très très inquiète. Ce n'est pas le moment de douter de toi. Tu dois t'en débarrasser plus vite que d'une caisse de shorts. Ouh, j'adore tout ce que tu as fait. Juste une chose, tu veux vraiment s'allumer sur les costumes? Tu as le temps de repenser tout ça depuis le début. Hein? Tiens, au passage, tous les blogueurs et les critiques de mode les plus influents seront ici ce soir. Pas de pression. Ah, je sens quand même une légère pression. Pourquoi y a-t-il des néons jaunes et oranges sur la queue de ce dragon? C'est un animal légendaire ou un gilet de sauvetage? Ah, j'imagine qu'Applejack a mieux à faire qu'un dernier essayage et une balance sonore. Ne te fâche pas sur elle. Elle essaye de retrouver Rainbow Dash et Fluttershy, qui d'ailleurs ne sont pas ici non plus. Ne me dis pas contre qui je dois me fâcher. Je sais que tu es stressée, Rarity, mais je suis sûre que tu as quelque chose de fabuleusement incroyable sous le coude. Bon, là, je vois rien, mais c'est peut-être sous l'autre coude, non? Arrêtez! Non, pas tout le monde. C'est juste pour mes amis. Continuez à faire ce que vous faites. Je veux dire, coudre les costumes. Mais où étais-tu passée? Qu'aucune de vous n'aille nulle part avec Vignette, c'est compris? Non. Pas vraiment. Non. Tu nous expliqueras ça après la parade. Je suis sûre... Non, Rarity. Vignette est diabolique. Applejack, je crois bien qu'elle t'a entendu. Elle a fait quelque chose à Fluttershy. Et je l'ai vu sur les écrans des caméras de sécurité quand elle a fait disparaître Rainbow Dash avec son téléphone. Et je vous parie une douzaine de frais que c'est de la magie des Kestria. Oh, ma belle, les hallucinations, ce n'est pas du tout ta couleur. Tu es automne. Si tu es innocente... Alors, comment tu expliques ceci? Tu peux dire au revoir à ton espèce de mannequin! Oh, attendez! Regardez! Disparaît! Je crois que j'ai dû utiliser la mauvaise appli et... Oh, j'y comprends rien, tous ces machins modernes! Oh non, je croirais entendre parler Granny Smith! Je viens de voir tes amies. Elles sont dans le vestiaire et elles vont très très bien. Tu en es sûre? Et au fait, tes costumes leur vont à merveille. Applejack, la parade commence dans moins d'une heure et... Tout ça est plus important que la parade, Rarity. Rien n'est plus important que la parade, Applejack. J'espère que tu ne viens pas de parler de tes amies disparues. Je vais vous laisser régler tout ça entre vous, les filles. Applejack, avoue-le, tu te moques bien de ma parade. Ma parade? Mais il ne s'agit pas de toi. Elle a fait quelque chose à nos amis. Et de quoi s'agit-il réellement? De nos amis ou de Vignette et toi? Depuis qu'elle m'a donné ma chance, tu es jalouse parce qu'elle a vu mon potentiel mais qu'elle ne t'a pas engagée. Les filles, arrêtez. Oui, on ne vous reconnaît plus. Tu es tellement aveugle que tu ne te rends pas compte qu'elle t'utilise. Si tu l'aimes tant, c'est parce qu'elle n'arrête pas de te flatter et de te faire des compliments. Mais elle fait ça avec tout le monde. Tu n'as rien de spécial. Je crois que je ferais mieux de partir. Oui, ça vaudrait mieux. Applejack, attends. Arrêtez. On ne va pas perdre du temps à les attendre. On se débrouillera sans elles. On? Les filles d'avant, le groupe qui succède au Boumanciel. Attends un peu, depuis quand tu fais partie du groupe, toi? Depuis que vous avez besoin de quelqu'un pour remplacer Appleclack. Et pour ce remplacement de dernière minute, vous avez la chance d'avoir quelqu'un d'aussi doué et talentueux que... Eh bien...
toi. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi jouer une chanson que j'ai écrite. Alors, premièrement, tu ne fais pas partie du groupe. Deuxièmement, il est hors de question de jouer sans Applejack. Oui, eh ben justement, son nom c'est Applejack. C'est pas Appleclack. Et tu sais quoi? Elle n'est pas du genre à inventer des histoires. Elle ne l'a jamais fait. Ce qui signifie que tout ce qu'elle a raconté sur toi... Oui, c'est vrai. Maintenant, nous allons bien voir si cette fameuse magie d'Equestria est à la hauteur de sa réputation. Parfait. C'est beaucoup mieux. J'aurais voulu pouvoir faire ça il y a des années. Ma vie aurait été tellement parfaite. Oh, Rarity, tu ne vas pas le croire, ma belle. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tes amis, mais en mieux. Maintenant, nous pouvons faire exactement la parade que je voulais. La parade que tu voulais? Je croyais que tu aimais ma façon de voir. En fait, j'avais besoin de ta façon de voir pour réaliser ma façon de voir. Mais maintenant, j'ai une appli. Vignette, mais qu'est-ce qui se passe ici? Où sont passés mes amis? Elles sont coincées sur le net sous forme de 1 et de 0 et effacées du monde réel. Quoi? Tu vois, mon téléphone est devenu magique et il a le pouvoir de faire disparaître tout ce que je prends en photo. C'est drôle, non? Ensuite, je peux personnaliser ce qu'il a capturé ou le faire disparaître en touchant l'écran. C'est trop cool! Mais ah, blablabla, je deviens rasoir avec tous ces détails, non? Je m'ennuie moi-même, là. Ramène mes amis immédiatement, compris? D'accord. Si tu veux aller les retrouver, je vais te rendre ce dernier service. Ne me remercie pas.